Coucou les filles, donc première vidéo pour vous faire partager donc le kit ongles que je viens d'acquérir de chez Urban Decay. Donc c'est un kit ongles qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Donc j'ai décidé de l'acheter. Donc j'en ai eu pour 22 euros, donc pour 6 vernis, ce qui équivaut à 6 x 4, 24, donc un peu plus de 3 euros le vernis. Donc je ne connais pas du tout la marque Urban Decay, donc ce qui m'a plu, c'est qu'il n'y a pas de formaldéhyde, donc ça ne va pas casser les ongles. Je ne connais pas la tenue, donc je voulais tester. En fait, Urban Decay, c'est une marque que j'apprécie beaucoup au niveau cosmétique, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer les vernis. Donc les couleurs, vous allez voir, elles sont vraiment d'un magnifique et d'une tendance absolue. Donc je commence. Donc nous avons le premier vernis qui s'appelle Fame. Donc c'est un vernis caramel crème, je dirais. Donc voilà, Fame. Donc c'est un effet nude, hein, vernis nude. Donc un peu passe-partout, super tendance. Donc on a les grandes marques qui font des couleurs équivalentes. Donc vraiment très très joli. Ensuite nous avons la petite pépite, hein, comme on peut dire, vous allez voir, donc c'est un or pailleté vraiment splendide. Donc il s'appelle Super Freak. Donc kit d'ongles d'inspiration 70s. Vous pouvez voir que même les noms sont un peu 70s. Donc on croirait réellement un petit cube d'or, quoi. Il est vraiment magnifique. Donc il n'a rien à envier au Chanel. Hein. En tout cas au niveau rendu comme ça au niveau du flacon, il a l'air vraiment d'être splendide. Il faut le voir porter, quoi, mais il est vraiment très joli. Ensuite, nous avons un violet pailleté qui s'appelle Xanadu. Donc, c'est le vernis qui a eu la chance d'être porté le premier. Donc, Xanadu, hein, c'est celui que j'ai sur les ongles. Donc voilà, moi cette semaine j'ai l'intention de porter du noir et du gris, donc j'ai opté pour celui-ci. Donc j'ai mis trois couches, donc une base. Hein. La première couche, en fait, on voyait que les paillettes. Donc la deuxième, ça pouvait aller, mais moi je voulais réellement le rendu du flacon. Je voulais un violet un peu plus soutenu, donc c'est pour ça que j'ai mis trois couches. Donc j'ai rajouté une couche de top coat. Mais je remettrai quand même une deuxième couche de protège-vernis pour le garder un peu plus longtemps car je ne connais pas du tout la tenue. Donc Xanadu, c'est un violet pailleté vraiment fabuleux. Ensuite, nous avons Misté, qui est moi je l'appellerais fuchsia perle. Donc un rose fuchsia. Hein. Misté, donc ça pour faire un pied de nez à la grisaille, ça peut être une très très jolie couleur du moment. Ensuite, nous avons la couleur Woodstock, qui est un rose fluo. Donc celui-ci en été sur une peau bronzée, il doit être vraiment super joli. Splendide, quoi. C'est un rose fluo vraiment très joli. Et enfin, nous avons le dernier, qui est Love Train, qui est un blanc, blanc nacré, en fait. Donc Love Train, très joli aussi. Donc voilà pour cette petite palette Urban Decay 70s. Donc pour résumer, moi je dirais qu'il y a deux vernis nude. Hop. Donc on a le caramel crème Fame et Love Train qui est un blanc nacré. Donc ça, moi je dirais que dans cette palette, il y a deux nude. Donc un blanc et un caramel crème. Ensuite, nous avons deux disco vernis disco, donc l'or pardon, et le violet pailleté. Donc Super Freak qui est l'or et Xanadu qui est le violet pailleté. Et enfin, nous en avons deux qui sont un peu plus funky, on va dire. Donc c'est les fuchsias. Donc nous avons Woodstock, pardon, c'est le rose fluo, et Misté qui est le fuchsia un peu plus foncé. Donc voilà,
Pour ma part, cette semaine, donc j'ai mis Xanadu, qui est le violet. Donc moi j'avais l'intention de m'habiller en gris et noir, donc j'ai opté pour celui-ci. Donc voilà les filles, si vous voulez me voir porter un de ces vernis la semaine prochaine, à vous de me laisser dans les commentaires lequel vous voulez voir porter. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.